Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des défis de la semaine 6, saison 7, épique. Aujourd'hui les gars, on va devoir donc détruire des arbres extraterrestres. Donc nous allons les gars pour ça aller à des endroits spécifiques sur la carte, je vais vous montrer tout de suite, let's go. Donc les gars, les arbres extraterrestres, vous allez les trouver à des endroits violets comme ceci sur la carte, d'accord. Donc il y en a plusieurs, là il y en a même qui sont genre en gros déjà hors zone, donc c'est pas grave, mais vous allez surtout aller sur ces endroits là. Donc on va aller là par exemple, hop, et on va se diriger directement là où je vous ai montré. Et vous allez voir qu'à cet endroit précis, vous allez trouver donc une sorte de biome, d'atmosphère beaucoup plus alien que ailleurs, d'accord. Puisqu'ailleurs la carte est normale. Et à ces endroits, vous allez donc pouvoir trouver des arbres extraterrestres. Alors les gars, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce pour me soutenir, ça fait extrêmement plaisir. De vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et on va découvrir donc ces arbres extraterrestres. Ils ressemblent peut-être aux arbres normaux, mais ils sont extraterrestres. Et vous avez sinon les arbres comme ceci, complètement extraterrestres. Et ceux-là, pour le coup, bah ça c'est sûr que c'est des extraterrestres. Donc vous allez simplement taper dedans, comme ceci. Voilà. Après vous allez en avoir des comme ceci. Donc des arbres extraterrestres plus petits. Pareil, vous les pétez. Et si vraiment ça fonctionne pas, pétez les arbres normaux, d'accord, mais qui sont quand même un tout petit peu infectés, pour voir si ça se valide. Mais dans tous les cas, là vous avez les deux types d'arbres. Les arbres normaux modifiés et les arbres totalement extraterrestres. A vous d'en faire bon usage. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à comprendre ce défi. N'oubliez pas de vous abonner, comme je vous ai dit. Mettre le petit code créateur Telmo-Lopez et de vous abonner. En tout cas, le plus important, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure dans une nouvelle vidéo. Ciao!